Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, nous sommes aujourd'hui sur Dokkan Battle, j'espère que vous allez bien, cela fait bien longtemps que nous ne sommes pas allés sur le jeu. J'ai un peu laissé le jeu de côté clairement parce que c'est vrai que ces derniers mois il m'a complètement chié à la gueule le jeu et c'est vrai que ça m'a un petit peu saoulé. En plus de ça, c'est vrai que j'ai fait aussi une petite overdose de jeux mobiles parce que je jouais à One Piece, je jouais à SAO, je jouais à Dokkan, je jouais à je sais plus trop quoi, enfin bref, j'avais trop de jeux mobiles et ça m'a clairement gonflé, donc j'ai décidé de mettre un petit peu tout ça de côté. Mais Dokkan Battle, tu peux pas vraiment l'abandonner, ça fait quand même 2 ans que j'y joue, depuis septembre 2015, et je peux pas laisser à l'abandon ce compte là, tu vois, même si il est loin d'être le meilleur des comptes, il est quand même sympathique, j'y ai pris du temps, de la sueur et de l'argent, donc il est hors de question que je le laisse de côté. Aujourd'hui, eh bien, il y a la célébration des 1000 jours, du coup ils nous ont envoyé un petit portail pour célébrer tout ceci, avec des tickets, et à l'intérieur vous retrouvez les personnages, vous retrouvez des Neo God Tier, des God Tier, enfin vraiment les plus gros persos, entre guillemets, du jeu. Donc c'est plutôt intéressant, sachant qu'il y a plusieurs personnages que je n'ai pas à l'intérieur. On va aller regarder ça de suite. De toute manière, le premier, Gogeta Intelligence, bon, lui je l'ai, je l'ai obtenu même 3 fois il me semble. Alors attendez juste, voilà, l'autofocus, merci, non, parce qu'il était parti en cacahuète je crois. Gogeta Intelligence, donc je disais, je l'ai déjà en triplon, donc écoutez, lui c'est le beau gosse, lui c'est vraiment le beau gosse du jeu, je le kiffe, il fait super mal, vraiment, il est trop beau, je l'aime. Goku SJ4, alors j'ai un petit doublon juste dessus en bas à droite, donc si à la rigueur j'arrive à en choper un autre en haut à gauche, je dis pas non, franchement, je prends avec grand plaisir. Vegeta, eh bien, c'est exactement le même principe, le SJ4, je prends avec grand plaisir. Le Goku, eh bien pareil, j'ai un doublon en bas à droite, donc il est SP10, doublon en bas à droite, mais en haut à gauche, on pourrait encore aller gratter tout ça. Lui, il m'a fait arrêter le jeu. Lui, il m'a fait arrêter le jeu pendant des mois. Celui-là, il y a eu 2 portails pour l'obtenir. Il y a eu le 100 portail où j'ai mis approximativement 500-600 DS, je ne sais plus exactement, entre 500-600 DS... Je n'ai même pas vu l'ombre de son SJ3. Et derrière, il y a eu le portail avec le Super Vegeto Endurance. Et pareil, même principe, impossible de le drop à l'intérieur avec 450 DS. Donc écoutez, lui en plus je le veux depuis un bon moment. Vous savez que j'ai défendu le Gotenks SJ3 technique pendant de longs et longs mois. Et lui, il me chie dessus, quoi. Donc je trouve pas ça honnête. Clairement, je trouve pas ça honnête. C'est vraiment pas gentil de sa part. Et j'espère vraiment que il va venir, tu vois. J'espère vraiment qu'il va venir. Janemba, extrême puissance. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, donc à la rigueur, je prends avec grand plaisir. On va pas cracher sur un personnage comme ça, je ne l'ai pas. Ce Broly, il fait quoi déjà? Pour le type extrême technique, je ne l'ai pas non plus d'ailleurs. Ouais, il pourrait être pas mal, parce qu'en extrême technique, il y a quelques personnages intéressants à la rigueur. Ça peut toujours servir, et puis je crois qu'il rentre pas dans la team fusion, lui? Vu que c'est... ah non, mais non, c'est pas une fusion, je suis con, mais je suis débile, non, c'est un CJ3. Pardonnez-moi ma connerie. Bon, Super C17, je l'ai toujours pas d'Okan. Kid Buu, j'en ai 2 doublons, je crois, et je l'ai toujours pas d'Okan non plus. Couleur, pareil, je l'ai obtenu en 2 singles, 2 fois. Je ne l'ai pas d'Okan, faut que je le fasse. Trunks Ikari, je le joue plus. Lui, 100%, ralalala, ralalala, 100%. Et lui, par contre, ouais, je veux bien un petit doublon, la rigueur, ouais, je prends. Et celle, je l'ai déjà, 100%. Bah, lui, 100% aussi. Quasiment 100%. J'en veux pas. 100%. 100%. Lui, c'est bon, je l'ai déjà suffisamment. Ah, lui, je l'ai toujours pas, lui, par contre. Ah, lui, je l'ai toujours pas. Le Goku SJ3 Agilité. Je ne l'ai toujours pas. Je sais qu'on pouvait le prendre avec la pierre. D'ailleurs, je pense que je vais le prendre parce que je l'ai toujours pas utilisé, ma pierre. À moins qu'on ne peut plus l'utiliser. Mais je ne l'ai plus. Lui, je l'ai, c'est bon, j'ai 2-3 doublons dessus. Il y a masse perso dedans, c'est incroyable. Et il y a des vieux Kai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des vieux Kai, effectivement. J'ai oublié de préciser. C'est vrai qu'il y a des vieux Kai. Donc écoutez, on va partir. J'ai 24 tickets de côté. On va commencer avec une petite multi-invocation, je pense, pour démarrer. Ensuite, on verra. On fera peut-être un peu de single aussi, manière de voir. Si la chance est avec nous, Shenron est là pour la première multi-invocation. C'est beau. Donc du coup, il y a 5 personnages par multi-invocation. J'espère le Gotenks Endurance. 2... S'il te plaît, Gotenks Endurance, s'il te plaît. S'il te plaît, le jeu, si tu m'aimes, un minimum. Ah non! Je l'ai déjà 100%, lui. Je l'ai déjà 100% et j'ai 3 doublons de côté. Alors j'attends que le puissance arrive. Quand le rosé puissance va arriver, bah je vais déjà le mettre SP4. Mais... Ah, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a un autre SSR dedans. Dis-moi qu'il y a un autre SSR et qu'il y a un bon Gotenks SJ3, s'il te plaît. Non! Pas Trunks. C'est pas nécessaire, lui. Non, c'est bon. Il y en a un comme ça qui ressemble un petit peu. Non, c'est Yajirobe.
Ah, bon, on a une SSR, c'est mieux que rien, mais c'est pas ce qu'on voulait, quoi. C'est pas ce qu'on voulait. Ouais, non, là, c'est un peu la déception, là, Ken. Vas-y, on refait une multi-invocation. Ça nous a porté bonheur, on a eu un Shenron. Donc, tant qu'on a un Shenron, on continue sur de la multi-invocation. Ah! Y a pas Shenron. Y a eu 3 capsules. Hamé, la chance est avec moi ou pas, mémé? Vas-y, 2. Et 2 uniquement. Ça veut rien dire. On peut très bien avoir du SSJ3 dessus. Enfin, du SSJ3, du SSR, pardon. Kame Sennin. Nul. Ok, Gohan GT, ça, non? Ouais, c'est Gohan GT, ouais. Ah, Chaozu. Chaozu. Ah, bah oui, on a Chaozu, bien sûr, on a Tenshinhan derrière. C'est qui, ça? Putain, Yamu, quoi. Ouais, bon, bah là par contre... Ah non, là, ça fait pas plaisir, hein. Ah, là, ça fait pas plaisir. Allez, dernière multi-invocation, après, je fais des singles. Dernière multi-invocation, après, je fais des singles. Allez, Shenron, s'il te plaît. Non ! 2-3 capsules. Super Saiyajin direct, pas d'arc-en-ciel. Allez, 1-2. 2 uniquement. Kulilin. Le fameux Krilin. Le seul unique, le beau gosse Krilin, accompagné du docteur Gero qui absorbe notre chance, bien sûr, de la main gauche. Hein, ce petit salopard. Ah, putain, en plus, on l'obtient en double. C'est incroyable. T'as vraiment une tête, docteur Gero. C'est incroyable. Allez, mini-cell. Génial. Et bien sûr, le triple docteur Gero qui absorbe une fois de plus notre chance de la main gauche. Mais c'est incroyable. Ah oui, triple docteur Gero, quoi. Elle est belle, celle-là, elle est belle. Oh putain, elle va rester dans les annales. Ah, celle-là, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on l'aime? Bon, allez, vas-y, on va partir en single, puisque le jeu a décidé que les multi-invocations, c'était pas fait pour nous. Eh bien, allons-y, soyons fous. Ok, 1, 2, 3 capsules. Allez, transforme-toi. Fais-nous péter un Gotenks Endurance. Je sais pas si le taux de drop est bon sur ce portail-là, mais... Bon, pour le moment, 24 tickets, un seul SSR pour le moment. Trunks, génial, mais je crois que j'adore cette unité, je pense qu'elle est même indispensable dans toutes les teams que vous pouvez jouer. Next! Allez, s'il te plaît, un peu plus, allez, soyons sérieux, 2 minutes. 2, 3 capsules. Super Saiyajin. Et pas d'arc-en-ciel qui veut tomber. Oh, Super Saiyan 1 uniquement, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Ah, Chaozu! Je sais qu'en général, quand tu as le SSJ1, bah, tu peux avoir le bye bye les gars derrière, mais, ouais, bon, là, bye bye les gars, il m'a dit MDR, t'as cru que c'était la fête foraine ici ou quoi? Rien que pour ça, il m'a donné un clown derrière, il m'a donné Chaozu, quoi. Allez. Une capsule. Bon, du camp. Ah, arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Bon, après, ça veut pas dire grand chose, mais ça peut toujours être cool. 1, 2, SSJ3, s'il te plaît. No! Allez! Ah, pam-pam. La blague à 2 balles, pam-pam. Pam-pam-pam. On a que du caca. Allez, next. Allez, s'il te plaît. Boah, une capsule. Oh, les singles, ça paye pas. Hein. Alors, les multi, ça paye pas vraiment, mais les singles, dis donc, encore moins. Il s'est même pas transformé, là. Boah, ouais, d'accord. Yes, Popovic. Spopovic. Bon, il me reste 5 tickets. Je pense que les 5 tickets, je pense que le mieux, ça va être de les claquer en multi, hein. Vu que c'est le seul endroit où on a obtenu du SSR. Eh bien, soyons fous, claquons de la multi. Allez-y, Martins. Satin à droite, bien sûr, Satin à droite. Allez, c'est parti. Même pas de transformation, ça peut toujours être un bye-bye, les gars. Hein. Ouais, d'accord. Il s'est même pas transformé sur une multi, même pas de bye bye les gars. Ah, ça fait pas du bien, non. Taio Pai Pai. Videl, bon, de toute façon, on le sait, on aura que du caca là-dedans. Tu sais, j'ai quand même un infime espoir quelque part, mais je sais que non. Si t'as, il se transforme même pas et voilà, vas-y, on termine avec qui? Avec Ginyu, quoi. T'es mal à poste kiffé. Vas-y.
J'étais un guignou. Comment tu oses me faire une pause comme ça, quoi? Comment tu oses? Non, mais alors là, je vais faire la même que lui. Là, je fais la même que lui. Je suis en colère. Bougez pas. Là, ça va chier, là. Il m'a saoulé, Guignou. On a eu que de la merde aujourd'hui. Que de la merde. J'en ai marre de ce jeu, j'en ai marre. Ça fait des mois et des mois que j'ai que de la merde. Depuis le Goku Ultra Instinct, c'était quand? C'était en décembre? Je crois que c'était en décembre, Goku Ultra Instinct. Depuis ce personnage-là, eh bien dites-vous que je n'ai strictement rien obtenu dans tous les portails qui sont sortis. Golden Freezer, bon, je vous ai même pas tourné de vidéo, mais j'ai mis combien de DS? 300 DS pour ne strictement rien avoir. Le Super Vegeto Endurance, 600 DS quasiment, non, combien? 450 DS. Rien du tout. Il y a eu qui d'autre entre temps? Je sais plus qui c'est qu'il y a eu entre temps, mais que de la grosse merde j'ai eu. Et ça me saoule. Vraiment, ça me saoule, quoi. C'est pas normal d'avoir que de la merde comme ça. C'est pas normal. Putain, le Goten, je le veux, quoi. Merde, ma Team Fusion, elle a besoin de lui, là. Regarde, ma Team Fusion, elle est trop belle, quoi. Mais il manque que lui dedans. Il manque qui? Voilà. Le fameux Gotenks. Le Gotenks, putain, endurance, elle est trop belle après. Putain, en plus, ils ont tous minimum 3 doublons, quoi. Donc bon, à part, non, le Gogeta leader, je crois que j'ai juste un doublon en bas à droite. Speedy, c'est un doublon en bas à droite. Mais sinon, tous les autres, ils sont au moins à 60-70% de l'arbre. Alors bon, un peu relou, quand même. Un peu relou, hein, qu'ils veulent pas venir, là. Let's go, hein, faut se bouger les fesses, là, mon petit Gotenks. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de chance. Mais demain, vaincra. Et j'espère que la chance tournera. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi pour les tickets sur cette célébration. Bon, on va en obtenir d'autres à tous les jours en jouant, donc c'est pas grave, je vais pouvoir encore invoquer à nouveau, mais ça fait mal quand même, ça fait mal, c'est pénible et c'est démoralisant, quoi. Quand ça fait des mois et des mois que t'as pas une seule bonne SSR, en tout cas une SSR que tu souhaites, c'est compliqué en fait, et c'est très démoralisant. Mais en soi, ça va, j'ai pas à me plaindre non plus, j'ai quand même un bon compte dans l'ensemble. Alors c'est pas le moment de chialer, monsieur Lilian, il serait peut-être temps d'aller farmer le Végéto LR, que je n'ai toujours pas commencé. Bref, ceci était une parenthèse, je vais vous laisser ici. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à mettre un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé, et puis j'essayerai de vous faire des lives sur Dokkan Battle très prochainement, ne vous inquiétez pas, on va commencer un petit peu à farm à nouveau. J'ai pas mal de choses à faire sur le jeu, j'ai raté pas mal d'événements en 3-4 mois, donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite sur Dokkan Battle, et j'espère que la chance était avec vous, en tout cas je vous la donne. Ciao tout le monde !